Monsieur Piguillem avait déjà été doté déjà des 3 médailles de la fédération, hein, donc nous avons pensé donc à l'honorer encore une fois, hein, pour son travail au sein de son association, hein, des gardes particuliers, hein, qui est une association à laquelle donc on tient beaucoup au niveau de la fédération. Donc on a tenu encore une fois pour les services rendus à t'honorer avec ce trophée. Voilà. Alors on a tenu à honorer M. Jimmy Boucher qui malheureusement quitte ce département pour d'autres fonctions dans un autre département, hein. Mais on a été, je tiens à vous le dire, donc pleinement satisfait des relations qu'on a pu avoir avec vous, des relations de qualité, hein, surtout en matière de législation, hein, où vous avez donc de grandes connaissances. Voilà, encore merci donc de ce séjour que vous avez fait dans les Pyrénées-Orientales et des relations qu'on a pu entretenir. Merci. Alors, monsieur Daniel Solé. Voilà, médaille d'argent. Il vient de quitter ses fonctions donc de président de l'ACA de Mombolo, hein, après... quelques années, je ne sais pas. Quelques années, une trentaine, voilà, plus de 30 ans. Hein. Donc on a tenu... sur la place aux jeunes. Voilà, place aux jeunes, c'est une bonne initiative, c'est vrai, hein, parce que les jeunes sont l'avenir. Hein. Donc c'était pour te remercier donc, de la gestion de cet ACA et du partenariat également que tu as pu avoir avec la Fédération départementale des chasseurs. Monsieur Gabriel Moret, voilà, médaille d'argent également, voilà, un grand merci donc pour toutes ces actions que vous menez donc en collaboration avec la fédération, hein. Et si vous avez été nominé, c'est parce que beaucoup de gens ont pensé que c'était absolument nécessaire, voilà, merci. Alors, Lazare Gonzalez, en voilà une. Et puis, Marc Méjean. Alors, je vais faire un hommage commun, hein, et souligner, mais je le ferai d'ailleurs tout à l'heure, hein, que nous sommes très attachés à l'action des Louvetiers. Et les dernières actions en cours donc, l'ont démontré. Vous faites partie, donc... aujourd'hui, compte tenu des différentes problématiques qu'on a sur le terrain, vous êtes des éléments essentiels donc, d'appui donc, au niveau de la fédération. Et bien sûr, même si vous êtes en relation directe avec les services de la préfecture, sachez que, vous le savez, hein, nous sommes très attachés à vos services dans cette période difficile. Donc, encore merci.